La parole de Dieu que nous allons partager se trouve dans Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. The word we're going to share is we can find it in Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Une main d'acclamation à la parole. To give a hand of applause to our Lord. Alléluia. Le titre de notre message, the title of our message, un petit nuage empêche le soleil de briller. A small cloud can stop the sun to shine. Alléluia. Alléluia. C'est quelque chose que chacun de nous a déjà remarqué. Lorsqu'il y a un petit nuage qui passe sur le soleil, when there's a small cloud that passes in front of the sun, Les rayons du soleil cessent. La lumière. The sun. Yeah. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Voici une parole qui nous dit. This is a word. Alléluia. Amen. Quels sont ces nuages? What are those clouds? Ces nuages viennent dans les circonstances que nous vivons chaque jour. Those clouds come through the circumstances that we go through every day. Alléluia. La situation lorsque nous avons faim. When we are hungry. Lorsque nous avons soif. When we are thirsty. Ça nous empêche de prier. It stops us from praying. Ça nous empêche d'aller à l'église. It stops us from going to church. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons l'amertume. When we are sad. Lorsque we have sorrow. Nous avons rancune dans notre cœur. Or anger in our heart. Lorsque nous avons la haine dans notre cœur. Or hatred in our heart. Lorsque nous refusons de pardonner quelqu'un. When we refuse to forgive someone. Nous ne parvenons pas à prier. We can't pray. Alléluia. Amen. Ça devient un problème. It becomes a problem. Mais souvent les gens pensent que non, je n'ai pas commis un péché. Often people say, think, oh, I didn't do any sin. Mais ces circonstances t'empêchent de prier. But those circumstances are stopping you from praying. Alléluia. Amen. Quelqu'un a parlé du mal de toi. Someone spoke evil about you. Tu n'as pas eu l'occasion de le pardonner. You didn't get a chance to forgive him. Le cœur s'agite. The heart is troubled. C'est quoi cette histoire? What's that story? Ça me fait de la peine. It hurts me. Et tu ne parviens pas à te concentrer pour. And you can't concentrate so you can pray. Ce genre de nuages nous empêche. Those kind of clouds stop us. Ce genre de nuages fait une ombre entre nous et Dieu. And those kind of a situation create a shadow between us and God. Et la face de Dieu ne peut pas briller sur nous. And the face of God cannot shine to us. À cause des petites choses. Because of small things. J'ai trouvé un exemple qui va vous faire rigoler. I found an example that you'll find funny. Certaines personnes. Some people. Lorsqu'ils manquent le temps. When they miss time. D'aller acheter une tasse de café chez Tim Hortons. To go and buy a cup of coffee at Tim Hortons. Leur journée est compromise. Their whole day is compromised. Ils ne sont pas contents. They're not happy. Et ils sont malheureux. They are sad. Ils ne parviennent pas à travailler. They can't work. Ils cherchent au moment pour sauter, quitter le travail pour aller chercher cette tasse. They're looking for an opportunity to go and get that cup of coffee. Au lieu de dire, je n'ai pas eu ça,
je confie ça au Seigneur, je travaille. Instead of saying, okay, I didn't get a chance to get my cup of coffee, but I put that in the hands of God. Now I'm going to work. Ils ne sont pas tranquilles. They're not at peace. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce genre de choses doivent changer. Those kind of things has to change. Alléluia. Amen. Ce genre de choses doivent changer. Those kind of things has to change. Souvent. Often. Il nous arrive des moments où un souci succède à un autre souci. We go through times where a worry comes after another. Alléluia. Amen. Tu avais le souci de t'acheter une chemise. You wanted to buy yourself a shirt. Probablement ton salaire ne suffit pas, tu ne peux pas t'acheter une chemise, un pantalon ou une jupe. Maybe because of lack of money, you can't buy yourself the shirt or the skirt you want. Tu as le souci. You have that worry. Tu achètes la chemise. You buy that shirt. Tu restes avec le souci. And you and the worry is still there. De dessous. Le pantalon ou la jupe. Of what you're going to wear, for the pants or the skirt. Partout tu te promènes. Wherever you go. Tu vois quelqu'un qui porte la jupe ou le pantalon que tu aimerais acheter. You see someone wearing the pants or the skirt that you want. Oh, je n'ai pas de l'argent pour acheter ça. And you say to yourself, oh, I don't have the money to buy myself that. Qu'est-ce que j'ai fait? What should I do? Ça devient un souci. And becomes a worry. Au lieu de dire Seigneur. Instead of saying Lord. Je dépose ça sur toi. I'm giving you this. Apporte-moi la solution. Bring me a solution. Au lieu de passer des jours et des jours avec ce souci-là. Instead of going through days with that worry. Il faut parler à Jésus. You have to talk to Jesus. Même des petites choses, ce que tu appelles petites choses. Even those small things, the things that you call small. Ce qui t'empêche de te concentrer sur Dieu. The things that are stopping you to be focused on the Lord. Un mauvais moment passe la main à un autre mauvais moment. A bad times follow another bad times. Alléluia. Amen. Le matin tu te réveilles. In the morning you wake up. Le réveil n'a pas sonné ou ça a sonné, tu n'as pas entendu. The alarm didn't go on or maybe it rang but you didn't hear it. Tu dois faire vite. And you have to hurry. Tu arrives dans l'arrêt, l'autobus est déjà parti. You get to this bus stop and the bus is already gone. Ou tu arrives dans la voiture ne démarre pas. Or you start your car, it doesn't go, doesn't. Encore un autre moment. Another bad time. Un autre mauvais moment. Another bad time. Tu arrives au travail. You get to work. Le boss te reçoit avec des paroles dures. The boss is welcoming you with the hard words. Et tu te dis, finalement, définitivement, aujourd'hui c'était un mauvais temps. And you say, oh, definitely this is a bad day. Aujourd'hui c'était un mauvais moment. It's a bad moment. This is a bad day. Au lieu de dire, Seigneur, prends tout ça. Instead of saying, Lord, take all this. Dès le matin, lorsque tu as vu que tu es en retard, Seigneur, prends ça. Since the morning, when you saw that you were late, you should have said, Lord, take this. Tu es en retard pour l'autobus, tu mets sur le Seigneur. You are late for your bus. Au travail, le boss te reçoit avec des paroles, Dieu dit, Seigneur, je mets mon boss entre tes mains. At work, your boss giving you a hard time, just say, Lord, I'm putting him into your hands. J'aimerais avoir ta paix. I would like to have your peace. Donne-moi ta paix. Give me your peace. Et le reste, tu vas apporter la solution quand tu veux. And the rest, you bring the solution when you Alleluia. Want. Amen. Alleluia. Amen. Cela, ces choses nous manquent. Those things, those are the kind of things that we lack. Pourquoi nous passons tout ce temps comme ça? Why do we spend all that time in like this? En réalité, ce qui nous manque, c'est Dieu. In reality, what we are missing is God. Lorsque nous traversons cela, nous ne sommes pas avec Dieu. When we go through that, we're not with God. Dieu n'est pas là. God is not there. Dieu n'est pas là. God is not there. Il n'y a que lui qui peut faire en sorte que le bonheur ne soit pas pour après la maladie, après les circonstances de la terre bis. C'est à ce moment que tu dis merci Seigneur. God is not only for when after you are healed or after you catch your bus. Tu disais que tu allais à l'autobus. When you say, oh, thank you, God,
You thought that you were going to miss the bus. Lorsque tu arrives à l'arrêt de l'autobus, when you get to the bus stop, il est là. He's there. Oh, merci Seigneur. The bus is there. And mais pendant tout ce temps, tu n'as pas pensé à Dieu. But beforehand, you didn't think about God. Tu es en train de courir. You are running. Dieu n'existe pas. God doesn't exist for you. Dieu commence à exister lorsque l'autobus est là. God starts existing when the bus is there. Tu vas chez le médecin. You go to the doctor. Alléluia. Amen. On te dit tu es malade. They tell you you are sick. Tu as un début du cancer. You have cancer. Tu as un début de diabète. You have diabetic. Tu as un début de maladie cardiaque. You have heart. Tu te dis c'est fini, je vais mourir. Yeah, and you tell yourself, okay, it's over, I'm going to die. Alléluia. Amen. Mais où est ton Dieu? But where is your God? Prends tout, dépose sur Dieu. Take all that and c'est ça qu'il nous demande. Give to him. That's il faut what pas attendre que tu sois guéri pour déposer. You should not wait until you are healed to give it to the Lord. C'est lorsque tu apprends la nouvelle. It's when you get the news. C'est lorsque tu remarques la situation. It's when you notice the situation. Que Jésus te demande de déposer à ce moment-là. That Jesus is asking you to give it to him. Alléluia. Amen. Il faut pas dire merci lorsque le souci est terminé. You should not say thank you after when the worry is gone. Tu as un souci qui vient dans ton cœur. You have a worry that comes in your heart. Seigneur, je te dépose mon souci. Lord, I'm giving you my worry. Je ne veux pas me promener avec ce souci. I don't want to go around with this. Prends le Seigneur. Take it, Lord. Donne-moi ta paix. Just give me your peace. Donne-moi ta joie. Give me your joy. Alléluia. Amen. À ce propos. About that. Dans le verset ici haut. In this verse. Paul nous invite à ne pas nous inquiéter. Paul is inviting us not to worry. Alléluia. Amen. Mais à nous rappeler. But to remember. Plutôt que le Seigneur est proche. Nous rappeler que le Seigneur est tout près de nous. That the Lord is near us. Que le Seigneur est avec nous. That the Lord is with us. Que l'Esprit de Dieu habite en toi. That the Spirit of God lives in us. Et que Jésus est avec toi. And that Jesus is with you. Ah, je vous le donne, Seigneur. Lord, I'm giving to you. Seigneur, je dépose tout sur toi. Lord, I'm giving everything to you. Je I'm surrender everything to you. J'ai un travail à faire. I have a work to do. Je ne veux pas continuer à porter ces fardeaux. I don't want to go on carrying those burdens. Il faut pas attendre que le souci se termine. You should not wait until the worry is gone. Si attends la fin du souci. If you're waiting for the end of the worry. Dans l'entretien, tu vas passer un temps sans Dieu. In the meantime, you're going through life without God. Tu vas passer un temps alors que la face de Dieu devait briller sur ta face. You're going through times where the face of God is not shining upon you. Parce que c'est Dieu qui guérit. Because it's God who heals. Hallelujah. Amen. Parce que c'est lui qui rend justice. He's the one who justifies. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Parce que c'est lui qui redresse la situation polluée. Because he's the one who change or who change polluted situations. Hallelujah. Amen. La situation ça ne va pas. The situation doesn't go on. It's not going well. Hallelujah. Amen. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. You just get a bad news. Tu viens d'apprendre des mauvaises des choses qui t'ont brisé. You just receive a really bad news that hurt you. Tu viens d'apprendre qu'on a parlé mal de toi toute la soirée quelque part. You just heard that they were somewhere they were talking about you all night long. Alléluia. Amen. À peine le tombeau se vient de te gronder. After your bus giving you a hard time. Un ami te téléphone. A friend calling you. Hier nous étions chez un tel. Yesterday we are at so and so house. On a parlé de toi à mal toute la soirée. We talked evil about you all night long. Tu perds la tête. You lost your mind. Au lieu de dire je mets tout sur mon Seigneur. Instead of saying I surrender all to my Lord. Que la paix du Seigneur règne dans mon cœur. May the peace of God reign in my heart.
Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur règne dans mon cœur. May the peace of God reign in my heart. Parce que je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Because I can do all things to the one who strengthens me. Pour dépendre de Jésus-Christ. In order for you to depend on Jesus Christ, une fois que tu lui confies tout ce qui te fait mal, you have to surrender everything that's hurting you. Au lieu de continuer à transporter, instead of keep on carrying it. Au lieu de continuer à porter sur ton dos, instead of carrying it on your back. Dépose. Surrender. Et sois calme. And be at peace. Et continue ce que tu as fait. And keep doing what you need to do. Tu verras comment tu vas trouver la solution. And you see how you find the solution. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous encourage à adopter une attitude de prière de reconnaissance. The word of God is encouraging us to have a grateful heart at all times. Une prière de reconnaissance, pourquoi? A prayer of gratefulness, why? Tu te souviens il y a quelques années? You remember a few years ago? J'étais au Congo. I was in Congo. J'étais au Burundi. I was in Burundi. J'étais au Rwanda. I was in Rwanda. Une telle situation m'est arrivée. As the same situation happened to me. J'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. But I cried to God. J'ai appelé mon Seigneur. I cried my I called my Lord. La situation s'est calmée. And the situation calmed down. C'est Dieu que tu as appelé à ce moment-là. It's good that you called upon the Lord at that time. Il est le même celui-là. He is the same. Il est le même maintenant. He is the same even now. Il est le même dans les jours qui viennent. He is still the same even for the days to come. Alléluia. Amen. Souvenez-vous que Dieu est capable. Remember that God is able. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont en Christ. For those who are in Christ. Vous comme moi. You are like me. Alléluia. Amen. Ce comportement devrait être déjà une réalité. That behavior should be a reality by now. À chaque fois qu'il y a un problème. Every time that there is a problem, you should have a prayer of gratefulness. Seigneur, toi qui m'as fait ceci. Lord, you are the one who did this for me. Lorsque j'étais à tel endroit. When I was at that place. Tu es le même aujourd'hui. You are the same today. Alléluia. Amen. J'imagine lorsque maman Jackie est tombée, il s'est cassé la main. I imagine when Mama Jackie fell and broke her arm. Il s'est souvenu qu'il avait cassé le bras. She remembered that she had her arm broken in the accident. Et elle s'est dit, Dieu qui m'a guéri ici, il guérira aussi ici. And she said, the same God who healed my arm before will also heal me this time. C'est le même Dieu qui l'a guéri. He's the same God who healed her. C'est le même Dieu qui va guérir encore la même. And he's the same God who will also heal her now. Et il n'a pas changé. He doesn't change. Et il n'a pas changé. He doesn't change. Et il le fera. And he will do it. Et il le fera bien. And he will do it well. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce comportement devrait nous avons toujours une parole de reconnaissance dans notre cœur. That's why we should have a word of gratefulness in our heart. Every time that we go through hard times, appelle ton Dieu. Call upon your God. Chaque fois qu'il y a un souci, every time there is mentionne ça devant Dieu. Mention that to God. Et Dieu interviendra. God will intervene. Il interviendra son temps. He will intervene in this time. Mais dans l'entretien, il te donnera la paix. But in the meantime, he will give you peace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si la situation concernant le corps. Even though the situation concerning the body. N'est pas encore là. Is not there Alléluia. Yet. Alléluia. Notre corps va continuer à souffrir. Our body may go on suffering. Parce que la mort de Jésus-Christ n'a pas délivré le corps jusqu'à présent. Because the death of the Christ has not delivered the body yet. Nous sommes encore sous la domination avec le corps. We still have this body. Mais bientôt. But soon.
lorsque nous allons ressusciter, when we resurrect, et lorsque nous aurons le corps transformé, when our Lord will transform our body, le corps aussi va bénéficier. The body will also benefit. Mais en attendant, but in the meanwhile, notre esprit qui a été libéré, our spirit who has been freed, notre esprit qui a été délivré, our spirit has been delivered, doit dominer sur le corps. Has to dominate over the body. Le corps n'a plus rien à dire. The body doesn't have et what to say. Le corps se lève, and every time that the body stands up, pour amener des soucis, to bring worries, pour nous amener des inquiétudes, to bring us worries, pour nous pousser à avoir rancune envers les autres, to push us to have anger towards others, pour nous pousser à refuser de pardonner aux autres, to push us to not forgive others. Et l'esprit va dire tais-toi. Our spirit should say, stop talking. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Submit yourself to the will of God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous endurons chaque jour, what we endure every day, est un apprentissage dans les cours de la vie. It's a learning in the school of life. Nous sommes tous des apprentis. We are all apprentices dans in notre vie de chaque jour. In our daily lives. Ce que tu as vécu hier, what you went through yesterday, ce n'est pas ce que tu vas vivre aujourd'hui. It's not the same you're going to go through today. Ce que tu vas vivre aujourd'hui, what you go through today, ce n'est pas ce que tu vas vivre demain. It's not the same thing that you nous go through tomorrow. Nous sommes tous des apprentis. We are all apprentices here. Nous sommes en train d'étudier. We are all learning. Nous devons faire le stage. We have to go to nous to devons do faire the intern. Formation. We have to do the training. C'est pourquoi nous devons être toujours prêts à réfléchir. That's why always have to be ready to think. Et non pas dire je connais. And not say I know. Cette situation je la connais. I know that situation. Non, il n'est pas la même que celle que tu as. No, it's not the same situation as you went through. Il y a des éléments qui diffèrent. There's some elements that differ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois soumettre à celui qui connaît la situation. That's why you should submit yourself to the one who knows the situation. Le maître du temps et des circonstances. The master of times and circumstances. C'est à lui qu'il faut remettre la situation. It's in him that you should surrender your situation. La situation que tu vis aujourd'hui. The situation that you live today. Tu vas vivre demain. The one that you live in tomorrow. Est une initiation à la vie de Christ. Is an initiation to the life in Christ. Jésus-Christ a passé dans cette situation. Jesus Christ went through that situation. Jésus-Christ lorsqu'il est né. When Jesus Christ when he was on born. Dit, Herod veut te tuer. They told him Herod wants to kill il you. Il était bébé. He was a baby. On l'a amené en Afrique. They brought him in Africa. En Égypte. In Egypt. Alléluia. Amen. Il ne voyait pas encore. He could not see. Il était encore bébé. He was still a Alléluia. Baby. Lorsqu'il a commencé à enseigner. When he started teaching. Les pharisiens the Pharisees étaient en opposition. Were opposed to him. On a reçu avec des injures. They received him with the. On a reçu avec des menaces de mort. And they threatened to kill him. À chaque fois, la Bible nous dit qu'on voulait le tuer à coups de pied. And every time the Bible says they wanted to kill him with stones. Mais il n'a jamais tremblé. But he never. Shaken, he was not shaken. Parce qu'il savait que son père était là. Because he knew that his father Alléluia. Was there. Il prenait tout, il mettait devant son père. He will take everything and he will bring that to the father. À nous aussi. And to us too. Il nous demande. He asks us. Que s'il y a une même situation que celle qu'il a connue. That if there is something, the same situation that he went through. Déposez-la sur moi. Just surrender it to me. Je vais vous donner la solution. I'll give you the solution. Je sais comment arranger ces problèmes. I will know how to viens make a way. Moi. Come to me. Je t'attends. I'm waiting Dépose for you. Déposez-la sur moi. Just surrender that to me. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de faire. What you're doing. Tu es en train de t'initier à ressembler à Christ. You are initiating yourself to resemble Christ. Jésus-Christ étant initié, Jesus Christ initiated, et il va introduce te montrer you, comment faire. And he will show you how to do it. Alléluia. Amen. Alléluia. À tout moment, at all times, et à chaque instant, and at all moments, nous devons nous répéter le mot que je vais vous dire. You should repeat these words. Tout par grâce.
Everything by grace. Tout par grâce. Everything by grace. Il n'y a rien que nous avons. There's nothing that we have. Il n'y a rien que nous obtenons. There's nothing that we can obtain. De notre propre force. With our own strength only. Tout est grâce. Everything is by grace. Et à partir de ce moment-là, and from that moment, lorsque tu sais que tu es grâce, when you know that everything is by grace, renvoie les choses auprès de celui qui donne la grâce. Just bring your situations to the one who gives grace. Dans toutes situations. In all circumstances. Dans toutes situations de la vie. In all the situations of life. La situation dans le couple. A situation in couples. La situation dans la famille. Situation in the family. La situation dans au travail. The situation at work. La situation au milieu des amis. The situation among your friends. Soumets le problème à celui qui a la force. Submit your problem to the one who has the et answer. Et tu trouveras la réponse. And you find your answer. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de tout par grâce. When we say everything by grace, c'était un terme de contentement. It's a grateful term. That is, yeah. Alléluia. Tout yeah. Par grâce. Everything by grace. C'est-à-dire que tu n'as pas peur. It means that you're not afraid. Et que tu as la joie de le dire. And you are happy to say so. Parce que les choses vont changer. Because things are going to change. Donc cette déclaration de contentement. So that declaration of gratefulness. Dans cette déclaration de contentement. In this declaration. Nous manifestons notre union au Christ. We manifest our Alléluia. Unity to Christ. L'union au Christ. Our unity to Christ. Lorsque nous sommes unis à Christ. When we are united to Christ. Nous n'avons pas peur. We are not afraid. Nous ne craignons rien. We are not afraid. Nous sommes capables. We are able. Nous sommes capables. We are able. Rien ne peut nous affronter. There's nothing that can et come against us. Et s'il y a quelque chose qui nous affronte. And if there's something that is against us. S'il y a quelqu'un qui nous affronte. If there's somebody who's against us. Garde à lui. You should be careful. Garde à lui. He should be careful. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Because the Spirit of God lives in us. Le combat ne sera pas de moi. The battle won't be mine. Le combat appartient au Saint-Esprit. But the battle belongs to the le Holy Spirit. Le combat appartient à Jésus-Christ. The battle belongs to Jesus parce Christ. Parce que j'ai tout mis en Jésus-Christ. Because I put everything in Christ. Parce que j'ai déposé tout à Jésus-Christ. Because I surrendered everything to Christ. Alléluia. Amen. Et ainsi nous pouvons confirmer sans équivoque. Then we can confirm without a doubt. La parole de Dieu qui dit ceci. The word of God that says. Nous pouvons tout par Christ qui nous porte. We can do all things through Christ who strengthens us. Parce que tu es en Jésus-Christ. Because you are in Christ. Tu peux tout. You can do all. Mais si tu n'as rien déposé. But if you haven't surrendered anything. Tu n'es pas en Jésus-Christ. You're not in Christ. Parce que tu n'as pas informé Jésus-Christ. Because you didn't inform Jesus Christ. Jésus-Christ n'a pas d'information. Jesus doesn't have that information. Tu n'as pas pu l'informer. You didn't take time to inform him. Et vous savez que Jésus-Christ ne force pas pour venir chercher les informations. And you know that Jesus Christ is not a dictator and he will not come and force himself notre to Seigneur you. Notre Seigneur Jésus-Christ. Our Lord. Ne torture pas pour avoir des informations comme dans nos pays. He doesn't come and torture you so he will get information from you. On veut obtenir des informations de quelqu'un. When they want information from somebody. On les torture. They torture that person. Jésus-Christ ne torture pas. Jesus Christ doesn't do such Dieu thing. Donne-moi tes informations quand tu veux et you, comme tu veux. He said, come to me and give me your information as you want alors, and when you want. Je vous donnerai la solution. And then I'll give you the solution. Je vous donnerai la solution. I'll give you the solution. Alléluia. Amen. Éloignez le petit nuage qui empêche le soleil de briller. Remove that cloud, that small cloud that is stopping the sun to shine. Éloignez le petit nuage qui empêche la face de Dieu de briller sur nous. Remove that small cloud that is stopping the face of God to shine upon you. Parce que lorsque tu considères, non, ça c'est rien, je ne veux pas en parler à Dieu. Because when you consider, oh, this is a small thing, I'm not going to talk to God about it. Mais ça va vous hanter toute la journée. It's going to be just in your mind, ça va vous haunting you all day, journée. And causing you not to have peace. Et lorsque tu déposes Jésus, but when you surrender it to Jesus Christ, il est la solution, il est la réponse. He is the solution, he is the answer.
Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4 pour comprendre davantage. We're going to read the 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10 to understand more. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 à 10. 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 10. Voici ce que dit la parole de Dieu. Here's what the Bible says. Ainsi nous sommes capables par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, terrassés mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi rendue manifeste par notre corps. Alléluia. Alléluia. J'aime cette parole. I love this verse. Il faut que notre corps puisse témoigner la grandeur de la mort de Jésus-Christ. Our body should testify the greatness of the death of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Souvent notre corps est sourd, il ne veut pas comprendre que Jésus-Christ nous a sauvés. Sometimes our body doesn't want to hear that Jesus Christ died for us. Alléluia. Amen. Nous pouvons lui parler. We can talk to him. Mon corps, j'ai été sauvé par Jésus-Christ. Body, I was saved by Jesus Christ. Quelques secondes, il te pousse de faire des choses. And a few seconds after, he's pushing you to do things. De penser à autre chose. Or pushing you to things to think evil things. Une seconde après, il te pousse à te décourager. And a second after, the body's pushing you to be discouraged. Notre corps n'entend pas. Our body doesn't listen. C'est pourquoi nous devons retenir. Nous devons le tenir en garde. Nous devons veiller. That's why. Surveiller. That's why we have to look to guard it or yeah. Et, le terme qu'on utilise c'est en surveillance. Il faut surveiller ça. We have to watch over our body. Lorsqu'on dit que quelqu'un est on le tient en garde, on est en train de le surveiller. When they say that they are guarding somebody, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire sans qu'on le voit. That means that that person can do anything without his guard to see it. Notre corps aussi. Our body also. Nous devons le tenir en garde. We should guard it. Et lorsqu'il bouge, je t'ai déjà vu. And when he moves, they say, hey, I lorsque la main se lève, je t'ai déjà vu. When the hands is moving, say, hey, I saw you. Lorsque mes yeux s'ouvrent pour regarder ce que Dieu ne veut pas, je t'ai déjà vu, mes yeux. When the eyes open up, mes yeux, je vous ai déjà vu. Eyes, I saw you. Les oreilles. Ears. Je vous ai déjà vu, je vous ai déjà entendu. I heard you, I saw you. Regardez. En surveillance. Guard and watch over our bodies. Pour qu'il ne fasse pas des choses que l'esprit qui est en nous ne veut pas. So that the body may, so that the body won't do things that the spirit of God in us won't like. Notre souffrance doit rendre témoignage à la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Our sufferings should testify the death of our Lord Jesus Christ. Il faut que notre corps témoigne la mort de Jésus-Christ. Our body should testify the death of Jesus Christ. C'est dans la faiblesse physique. It's in our physical weakness. Alléluia. Amen. C'est dans la faiblesse lorsque tu sens que tu es faible. It's when you feel like you are weak. Tu dois être poussé pour en parler à Dieu. That's when you should go and talk to God. Je ne me sens pas bien ce matin. I don't feel well this morning. Ne répétez pas. Pour répéter, il faut en parler à Dieu. To repeat, you have to talk to God first. Seigneur, je ne me sens pas bien. I'm not feeling well. La tête me fait mal. My head is hurting. Le dos me fait mal. My back is hurting. J'ai mal dans les épaules. My shoulders hurt. Dieu va apporter la solution. God will bring the solution. Au lieu de continuer à te répéter, non, ça fait mal. Instead of complaining, it hurts. He is the solution. Amen. He is the answer. C'est dans la faiblesse physique que nous sommes forts.
It's in our physical weakness that we are strong. Because that's when we hold on to Jesus Christ. Il faut lorsque tu as mal, lorsque tu ne te sens pas bien, lorsque tu apprends des mauvaises nouvelles, immédiatement il faut aller vers Jésus Christ. Amen. So when you feel you're not feeling good or you heard a bad news, that's when you should go to Jesus Christ. Car la parole de Dieu suivante nous le confirme. Because the word of God that we're going to read confirms. The word of God that I'm about to read for you confirms that. It's not my word. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Il se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. And we can find it in 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une très bonne parole pour nous encourager. This is a good, pour dire que Dieu sait. This is a good word for encouraging us and to know, tell us that God knows. Alléluia. Amen. Lorsque le corps se détériore, when the body is deteriorating, c'est le cancer. It's cancer. Quand bien même tu vois ton corps, des morceaux sont entrés. Comment on appelle cette maladie qui mange le corps? Well, how do we call that sickness that eats the body? Il y a une maladie qui mange le corps. Bouchard en avait attrapé. Bouchard qui était le premier ministre du Québec en avait attrapé et puis... Mangeur de chair. Alléluia. Arthritis? Hey, même si tu vois qu'il y a le mangeur de chair qui est entré, tu dis Seigneur, prends. Alléluia. But even when you see that the sickness that eats your body is coming, you should say, Lord, take. Tu vois que sur ton bras il y a un morceau qui est parti. When you see on your arm, a part is gone. Ta jambe, il y a une partie qui est partie. Your leg, a part that is gone. Mais celui qui a créé cela, but the one who created that, il va te ramener. Will bring you another one. Cette fois-ci, à nouveauté. And this time will be Amen. A brand new one. Une pièce nouvelle. And new piece. Alléluia. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de vieilles pièces, ce sont des nouvelles Amen. Pièces. In God there's no old pieces, it's only all is new. Dieu va prendre dans l'étagère pour mettre là où ça va pas. God will take in his storage a new piece and new part and ce verset nous affirme tout simplement que dans le temps présent, this verse is telling us that in this time la rédemption n'atteint pas pleinement que l'être intérieur. That the redemption is not only for the inward. La rédemption a été pour l'être intérieur. The redemption was for présent. The redemption so far has been for the inward. Quand la rédemption pour le corps. But the redemption for the body. C'est lorsque le Seigneur se tiendra. It's when the Lord Alléluia. Will come back. À ce moment-là. Le corps sera délivré. The body will be delivered. Le corps sera sauvé. The body will be saved. Au même titre que l'intérieur. At the same title as the inward. En d'autres termes. In other words. La souffrance qui est associée à notre vie de tous les jours. The suffering that is associated to our daily life. C'est-à-dire la vie des ministères. The life of ministry. Mon frère, ma sœur. My brother, my sister. Quel est ton ministère? What's your ministry? Est-ce que tu fais quelque chose ici dans l'église? Do you do something here at church? Lorsqu'on parle de la situation de tous les jours, when they said they talk about the daily situation, on veut dire ce que tu fais pour Dieu ici. They're referring to the things that you do for God here. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? What do you do for Christ? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? What do you do for Christ? Alléluia. Tu es ici dans l'église, tu viens, tu écoutes la parole de Dieu et puis tu pars. You're here tu in the church. Pas,
And you do nothing. Dans la maison de mon père, qu'est-ce que moi je fais? You should ask yourself in my father's house. Lorsque tu vas chez tes parents, when you go to your parents' house, et ils te prennent de rester assis pour qu'on puisse te servir, et ta mère vient te servir, et ton père vient te servir. Do you sit around and wait for your parents to serve you? Mais il faut faire quelque chose. You have to do something. Il faut faire quelque chose. You have to do something. S'il faut laver la vaisselle, fais la vaisselle. If you need to wash the dishes, you do so. S'il faut nettoyer la maison, tu nettoies la maison. If you need to clean the house, you clean the house. S'il faut arranger le salon pour tourner les chaises, tu les tournes. If you need to clean the house, you clean. Mais il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. But you have to do something in the house of God. C'est ça le ministère. That's the ministry. Que celui qui n'a pas de ministère ici en cherche. The one who doesn't have a ministry here, look Alleluia. For him. Alleluia. C'est ça la vie de tous les jours d'un chrétien. That's the daily life of a Christian. Alleluia. Amen. Alleluia. Donc, je voulais dire que la souffrance est associée à notre ministère. So I want to say that the suffering is associated to our ministry. Cette souffrance qui entre dans notre ministère. That suffering that comes into our ministry. Dans notre vie de chaque jour. Our daily life. Il n'est pas inutile. It's not for waste. Parce que ça rappelle, ça dit encore, et tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Because it reminds the body that Jesus Christ died on the cross for you. Si même notre corps sera délivré le jour de la résurrection, le jour où Jésus-Christ se tiendra dans les airs. Even though our body will be changed when Jesus Christ will come back. Ce corps pour mériter ça. This body to merit. Il doit commencer à travailler. Should start working now. Alléluia. Cette souffrance nous permet de communiquer. That suffering allows us to communicate. La vie de Christ. The life of Christ. C'est lorsque nous souffrons que nous disons aux autres. It's when we are suffering that we tell others. Ceci, ça me rappelle. This reminds me. Un frère qu'on avait à Montréal. A brother that we had in Montreal. Il souffrait des reins. He had a problem with the. On devait appliquer les dialyses chaque fois. Kidney, and then they had to do dialysis every month. Et chaque fois qu'on allait le visiter. And every time they would go visit him. Il te donnait la parole de Dieu, il te montrait que ça n'a dit rien, qu'il a déjà mis sur Jésus, et toi tu n'as plus rien à dire, c'est plutôt lui. Qui t'encourageait au lieu que tu l'encourages. And he will, when you go see him, he will give you the word of God, and he will encouraging you, instead of you encouraging him. Et il te disait, Jésus-Christ a déjà souffert plus que la façon dont je souffre. And he will tell you, Jesus Christ suffered more than I am now. Ça c'est rien par rapport à la souffrance de Jésus-Christ. And he will tell you this is nothing compared to the suffering of Jesus Christ. Tu l'écoutais et tu rentrais à saigner. And you would listen to him and you go back home. C'est comme ça que nous aussi nous devons faire. And this is how we should do also. C'est comme ça que chacun de nous doit faire. And this is how each and every one. Alléluia. Lorsque tu te trouves dans la situation. When you are in a situation. Ne laisse pas les gens venir pleurer sur ton sort. Don't let people come and start weeping about your situation. Tu as mal, hurts. C'est la jambe, c'est le bras. Is it the arm? Is it the cou? Is it the neck? Ça commence. How did it start? No. No, ma sœur. No, my brother. Jésus Christ s'en occupe. Jesus Christ is taking care of that. Ça va passer, Jésus-Christ a Jesus Christ suffered more than that. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que, pourquoi cette souffrance donne à plusieurs l'occasion de connaître l'amour et la grâce de Dieu. The suffering gives an occasion for others to see the love and the grace of God. C'est lorsque tu seras guéri. And it's when you be healed. Que tu auras l'occasion de témoigner.
you have an occasion to testify. Mais si tu ne passes pas par le problème, quand est-ce que tu vas témoigner? But if you don't go through hardship, how are you going to have testimonies? Lorsque tu vas t'en sortir, alors tu as un témoignage. When you come out, then you have a testimony. Remercie Dieu parce qu'il te donne l'occasion de témoigner. So when you go through hard times, thank God. Remercie Dieu parce que la guérison te donne l'occasion de témoigner. He's giving you a chance to testify. Lorsque tu as passé longtemps dans le chômage, tu ne trouves pas de travail. When you've been a long time without a job, when you find one, Pastor, il y a quelque chose que je veux dire devant vous. And you come, oh Pastor, I have je something voudrais to témoigner tell l'amour de Dieu. I would like to testify about the je love voudrais of témoigner God. Que Jésus-Christ travaille encore. I would like to testify that Jesus Christ still do miracles today. Mais si tu n'as pas passé par là, but if you didn't go through anything, qu'est-ce que tu vas témoigner? What are you going to testify c'est about? Pourquoi la souffrance? That's why suffering. Les situations difficiles. The hardships. Nous donne l'opportunité de témoigner. Give us testimonies to testify about Christ. Alléluia. Amen. Un petit nuage empêche le soleil de briller. A small cloud stops the sun to shine. Éliminer tout ce qui empêche la face de Dieu de briller sur nous. Remove everything that prevents the face of God to shine upon us. Il faut permettre à ce que la face de Dieu brille sur ta figure, sur ta bouche, sur ton ventre, sur ton corps, partout. You have to let the glory, the face of God, to shine upon you. Alléluia. Amen. Au début de ce chapitre 4, verset, le chapitre de Philippiens. At the beginning of the chapter in we read in Philippians. Dieu nous ordonne. God gave us an order. Lorsque Dieu ordonne, when God gives an order, c'est un commandement. It's a command. C'est un ordre. It's an order. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Do not worry about anything. Ne vous inquiétez de rien. Do not worry about anything. Pour des raisons de faiblesse, tu dis non, je m'inquiète quand même. But because you're weak, you say no, I'm worried either way. Ton inquiétude, dis-toi en toi-même que mon inquiétude, c'est un nuage qui empêche la face de Dieu de briller sur moi. So tell that worry, tell yourself that that worry is the cloud that's stopping the stopping God to shine upon me. Comment éliminer ce nuage? How do we eliminate those? Comment écarter ce nuage? Cloud. How to remove that cloud? Par la prière et la supplication. Through prayer and supplication. Prier et supplier. Pray and. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu nous invite à prier et à supplier. And the God and the word of God tells us to pray and. Lorsque tu pries. And with supplication. Lorsque tu supplies Dieu, when you ask God, il te décharge en même temps. You unloaded yourself de tous tes soucis. Of all your worries. Tu les déposes sur Jésus-Christ. And you surrender them to Jesus Christ. Pas seulement des grands soucis. Not only big worries. Même des petits soucis. Even those small ones. Le souci de ne pas prendre sa tasse de café le matin. A worry of not taking a cup of coffee in the morning. Qui t'a affaibli ou tu n'étais pas tranquille. That weakened you and you're not at peace. Tu dois éliminer ça. You have to remove that. Tu dois éliminer ça. You have to remove that. N'hésitons pas. Do not hesitate. À apporter à Jésus. To bring to Jesus. Même ce que nous considérons presque rien. Even those things that we consider being ça, c'est nothing. Pas grave. C'est presque rien. C'est rien ça. This is nothing. Non. No. Ça t'empêche, la face de Dieu de briller sur toi. It's preventing the face of God to shine upon you. C'est une sorte de parasite. It's a parasite. Dans la radio, lorsque tu entends, même si c'est une petite parasite, ça t'empêche de suivre les informations. When you are listening to the radio, even if it's a small parasite,
stops you from listening. Lorsque dans ton ordinateur, tu penses que c'est le virus qui est entré dans ton ordinateur, tu ne vas pas attendre, c'est que ça s'étend partout. And for example, when you're using your computer, when you see the beginning of something that resembles to a virus, you don't wait until that virus take over, but you go and tu dois recourir immédiatement chez le spécialiste. You want to the specialist. Et le spécialiste de notre affaire, c'est Jésus Christ. And the specialist of our affairs is Jesus Christ. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose. Call upon Jesus Christ when you feel like there's something. Alléluia. Apprenons à nous réjouir dans le Seigneur. And let's learn to rejoice in the Lord. Dans à tout temps. At all times. En tout lieu. At all times. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. We have to rejoice in the Lord. Avec les conditions de vie que nous vivons maintenant. With the conditions of we are living in today. Tu n'as pas sommeil. You don't go to you have no sleep. Tu as dormi et puis à 1h du matin, à 2h du matin, tu n'as plus sommeil. You sleep, but around 1 a.m. you have no. Alors que le lendemain tu dois aller travailler. And then the next morning you have to go to work. Mais ça c'est le Seigneur. Put that into in surrender that to Christ. Le Seigneur va amener le sommeil. And Jesus Christ will bring back the sleep. Pour que tu te reposes. So that you can rest. C'est ça, Jésus Christ dit, ne regarde pas et dit pas ça je donne à Dieu, ça je ne donne pas. Donne tout. And don't say, oh, this I'll give to God, this I want, but parce give everything to God. Toute la solution vient de Jésus. Because all the solutions comes from Jesus Christ. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.